Hello tout le monde, je vous fais une nouvelle vidéo donc pour faire suite à la précédente, celle qui était l'installation de mon nanocube 30 litres. Donc euh, ça y est, le cyclage est largement terminé. Il a déjà maintenant là lorsque je tourne la vidéo, il a déjà deux mois, deux mois de rodage. Donc là j'ai fait un gros nettoyage donc je vous ferai voir dans la prochaine vidéo le la vidéo du nettoyage et deux trois petites galères que j'ai eues, je vous expliquerai tout. Donc euh, voilà, donc de la précédente vidéo, j'avais dit que je ne savais pas encore quelle population mettre. Donc, bah voilà, vous l'avez tout de suite vu, j'imagine. J'ai choisi un beau bêta. Donc euh, je l'ai appelé Rio pour les bah, à cause de ses couleurs et puis bah je trouve que ça va plutôt pas mal avec le décor. Euh, Rio, Brésil. Euh, enfin, c'est un peu la samba. Donc, j'ai le petit Rio qui a maintenant trois mois. Donc je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Donc, déjà, je l'ai eu dans un, bé... dans un élevage de bêta à Aix-en-Provence. Je vous renvoie tout de suite à une vidéo que j'ai fait là-dessus. Donc, on ne se rend pas bien compte sur les vidéos. Forcément, je n'ai pas voulu traîner des jours et des jours à, à filmer chez le monsieur. Donc, pourquoi Rio J'ai choisi celui-là. Donc, déjà, voilà, je l'ai choisi pour ses couleurs. Franchement, je les trouve carrément dingues. Elles sont trop belles le bleu, est vraiment magnifique, je sais pas, il est pas tacheté, il est moucheté, donc c'est un Beta Placate Galaxy Yellow si je dis pas de bêtises. En tout cas Beta Placate Galaxy ça c'est sûr. Donc voilà je l'ai pris parce que les couleurs, je l'ai pris aussi parce qu'il a un comportement méga cool. Donc pour les pour le sélectionner j'avais mis euh, plusieurs bêtas les uns à côté des autres, ceux que je trouvais les plus beaux, pour vraiment voir lequel ressortait. Et il y en avait sans doute qui auraient été tout aussi beaux, mais lui, c'était le seul à, avoir, euh, à faire vraiment le, le beau, à se mettre dans toutes ces belles postures, bien ouvrir ses voiles. C'était le seul à l'avoir fait pendant 4-5 minutes avec les autres. Et après, il a lâché l'affaire. Après, on... Même si j'enlevais le, les autres bêta, je remettais devant et regardais, mais bah, clairement, il en avait plus rien à, à caler. Donc, je l'ai pris parce que je voulais faire un bac entre guillemets communautaire avec un bêta et des crevettes. Parce qu'avec mon précédent bêta, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus là, je pouvais avoir même des reproductions de crevettes avec lui, c'était génial. Donc, je voulais un bêta avec un caractère super sympa. Donc, non seulement il est super cool et en plus de ça, Franchement, il a des comportements géniaux. Voilà, en 2-3 semaines, j'ai réussi à le faire suivre le doigt. J'arrive à lui faire faire des petits sauts. Alors, euh, pas des sauts de, de 50 cm, mais il fait un petit saut ou de temps en temps. Surtout quand j'ai les boulettes collées au bout du doigt. Là, il fait des sauts sans problème. Là, il va faire le timide. Ouais, je vais vous faire voir tout à l'heure avec les boulettes. Donc euh, voilà, donc là je sors d'un changement d'eau, le ph euh, voilà quand il ouvre, ses, quand il ouvre ses, ses nageoires il est juste magnifique quoi Donc voilà j'avais j'ai fait juste un petit changement d'eau parce que le ph était un petit peu haut et aussi j'ai ajouté dedans un Erythina donc c'est un super escargot franchement j'ai toujours entendu que du bon sur ces escargots-là, super joli. Donc, j'ai pris un, on va dire, un dessin un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Je trouvais super cool avec ces petits triangles à droite. Là, on voit qu'ils sont vachement réguliers. Alors, lui, c'est super curieux. Donc, le Neritina pourquoi je l'ai pris Parce que j'étais envahi de algues, de cornes de cerf. Et je sais que c'est pas ça qui va résoudre mon problème, mais particulièrement sur tous les bois des racines. J'avais une vilaine mousse un peu cotonneuse, vous la connaissez tous, c'est celle qu'on a au démarrage. Donc c'est pas gênant, toujours. C'est vraiment pas beau visuellement. Et lui, en franchement, en deux, trois jours, il m'a éliminé toutes, toutes, toutes les algues cotonneuses là. Celle un peu cotonne, gélatineuse, donc je sais pas trop. Donc voilà. Donc le bac, il est déjà passé en low-tech. Il est déjà en total low-tech. Et ça tourne plutôt pas mal. Dans le fond, j'ai des petits mélanoïdes qui viennent. Le matin, je me réveille, il y a des seins des un peu partout dans le sable. Voilà. Donc, euh, le bêta, je lui ai mis de la Salvinia parce que le bêta, il n'aime pas du tout être en pleine lumière. Même si lui, euh, Rios, franchement, ça n'a pas l'air de le perturber vraiment parce que. Avant de faire le changement, j'avais tout le dessus de l'eau qui était plein de salvinia et ça donnait un côté sombre dans le bac. C'était vraiment pas cool. Et là, j'en ai enlevé, je lui en ai laissé pour se faire un petit coin. J'ai remarqué que la nuit, il aimait bien aller se mettre sous les plantes de surface pour dormir. Donc, je lui en ai laissé quand même un minimum. Puis je trouve ça fait sympa, voilà, la vue d'ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, le bac, je suis super fan. Hein. Toutes les couleurs, toutes les formes différentes. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, mettez un gros pouce si vous aimez bien, euh, voilà, moi je suis content du résultat pour l'instant, en plus en low tech, j'attends qu'il y ait un peu de microphone, j'ai déjà quelques petits verres de vase dans le fond, pas de fou et j'attends de voir apparaître enfin des, des daphnies ou des cyclopes ou des petites bêtes comme ça. Donc voilà, si vous m'avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie déjà d'avance. Pensez à moi, mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez surtout, surtout pas à mettre un commentaire et vous abonner. Vous abonner, c'est ce qui est plus important pour moi. Ça montre que, que mes vidéos eh ben, elles plaisent, elles intéressent et ça me permet de donner encore un peu la force d'avancer. Bon, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc ce sera. Soit ce bac ou soit le bac à crevettes low-tech que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Allez, à ciao tout le monde, ciao ciao.